Bonjour, nous voici au pied du monument de la Renaissance africaine. D'abord, je vous présente la bienvenue au monument de la Renaissance africaine. Présentement, là, nous sommes au rez-de-chaussée. Donc, à ce niveau, nous avons en face de nous les écrans d'abord qui nous montrent les différentes étapes de la réalisation de ce monument de la Renaissance africaine. Et donc, quand on nous parle des différentes étapes, c'est-à-dire pour comprendre comment le monument a été bâti, étape par étape, du début jusqu'à la fin. Voilà, donc ensemble, on va essayer de commenter les images que nous avons en face de nous. Et au début, il y avait un petit bâtiment qui était là. Et le bâtiment, c'est-à-dire des bunkers occupés par l'armée sénégalaise. Voilà, quand ils avaient pris l'initiative de construire ce monument, ce petit bâtiment a été complètement détruit. Et voilà, donc après, vous avez la fondation. 6 mètres de profondeur qu'ils ont creusé pour faire la fondation. Et progressivement, nous avons un bâtiment qui commence à se développer. Petit à petit, on voit maintenant les travaux qui avancent. Donc tout cela, ça constitue le socle, la grosse pierre. Et voilà, on a le bâtiment jusqu'à ce niveau. Aussitôt, ils ont commencé à faire les 3 personnages. Vous avez déjà une partie de la dame, c'est-à-dire le pied de la dame. On a la coiffure de la dame que vous voyez là, le bras de l'homme qui s'apprête à tenir sa famille. On a ici le pied de la dame. Là, tout ça, c'est le montage maintenant. Après le moulage, c'est l'étape du montage, étape par étape que vous voyez par là. Et voilà, on a encore, on va voir le doigt de l'enfant sur 2 angles. On a le poignet que vous voyez là. Et voilà, donc toujours, c'est la dame que nous avons ici. Et là, ce sont les pieds de l'enfant que nous avons. Et là aussi, vous avez aussi une partie de l'enfant. Et voilà, il commence toujours à faire le montage. L'enfant n'est pas encore arrivé. Ça développe, ça se développe sûrement, mais aussi lentement. Vous voyez de dos aussi la dame. Et là, maintenant, c'est l'enfant qu'on prépare. On le prépare ici à côté. Et voilà, donc, voici l'enfant. On va voir son visage sur 2 angles aussi. C'est ce que nous avons là. Voilà, après, on va voir maintenant, ils vont le soulever pour le mettre sur l'épaule de son père. C'est ce que vous voyez, cette image que nous avons là. Et maintenant, là, c'est toujours la tête du monsieur. Et vous voyez les vitres qui sont ouvertes, qui constituent le bervelaire, c'est-à-dire, et voilà, le chapeau du monsieur. C'est à partir de là-bas qu'on peut voir la ville de Dakar. Et voilà, donc là, ça nous revient encore à l'étape initiale, c'est-à-dire le rez-de-chaussée qui nous montre. Là, ce sont des étages qu'on va visiter ensemble, le premier, le deuxième et le troisième étage que nous avons là. Et voilà, maintenant, c'est juste aussi la construction que nous avons. La fin des travaux nous montre 198 marches. Les 198 marches que nous avons ici, et voilà, et c'est l'équivalence de la colline qui fait 100 mètres. 100 mètres. Et là, vous avez le concepteur maître Abdoulaye Wade et son architecte conseil Pierre Atepa Goudiaby. Ce sont alors les bâtisseurs. Ça revient encore à l'étape initiale, les étapes de réalisation du monument de la Renaissance africaine. Et voilà. Et là aussi, nous avons la renaissance de l'homme noir du côté et des Amériques aussi, c'est-à-dire les Africains aussi qui plaidaient les causes des Noirs, c'est-à-dire pour montrer qu'il faut toujours juger l'homme noir à travers ses actes et non à travers sa peau. Voilà donc Martin Luther King, I have a dream, qui a opté la lutte pacifique. Et là, vous avez aussi aussi quelques panafricains. Ce sont des panafricains. Ils sont nombreux, la liste est longue, mais on peut retenir ici juste le plus connu ici au Sénégal, c'est Léon Contran Damas, qui est un ami à Léopold Sédar Senghor, avec qui ils ont créé un mouvement qu'on appelle la négritude. La négritude. Et voilà, ils sont nombreux. Vous avez ici juste Walter. Et là aussi, toujours, la liste des panafricanistes. Eux, ce sont des écrivains. Des écrivains, c'est-à-dire des intellectuels qui ont écrit beaucoup d'ouvrages pour dénoncer. Pour dénoncer, pour montrer aussi que, voilà, nous ne méritons pas ce que la situation dont nous vivons aujourd'hui. Raison pour laquelle on les considère aussi comme des grands révolutionnaires, des panafricains aussi, des écrivains, tout ça. Et donc là, on a aussi d'autres panafricains, parmi lesquels on peut citer l'un des précurseurs qui est Marcus Gravey qui est là. Et ce Marcus Gravey, et donc lui, sa lutte était une lutte aussi pacifique. Et voilà, donc là, vous avez aussi Jesse Jackson, et voilà, donc qui était là aussi le jour de l'inauguration de ce monument de la Renaissance. Là, on a Malcolm X aussi. Donc la liste que vous voyez ici, ils étaient tous des présidents de leur pays respectifs. Sauf Patrice Lumumba, qui a été un premier ministre du Congo.
Là, vous avez Gamel Abdel Nasser de l'Égypte, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Haïl Selassie de l'Éthiopie, Kwame Nkrumah Ghana, Sékou Touré, voilà, de la Guinée. Et là, vous avez aussi Julius Nyerere de la Tanzanie, Robert Mugabe, Zimbabwe, Tshomo Kenyatta. Et là, vous avez Nelson Mandela, ici Amical Cabral aussi. Voilà. Et donc là, on va continuer. Là, c'est une photo qui montre aussi la dignité conquise, c'est-à-dire la sortie de Nelson Mandela en prison. Voilà, donc c'est ce que nous voyons, qui était une victoire pour toute l'Afrique pratiquement. Et là, vous avez aussi les initiateurs du NEPAD. Le NEPAD, c'est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Et voilà, donc chacun de ces présidents avait écrit juste un projet pour faire sortir son pays de la crise et la fusion de ces projets qui a donné le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Et c'est un long processus. On a parlé de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, de la colonisation, de la Renaissance noire, des panafricanismes, des indépendances, et ce processus continue jusqu'à donner une renaissance africaine. Voilà, donc c'est ce que nous avons ici, cette renaissance pour l'Afrique. Voilà, donc c'est un long processus qui ne commence pas d'aujourd'hui. Raison pour laquelle aujourd'hui, les Africains ont cette autonomie de penser à une renaissance africaine. Et donc Mahatma Gandhi, vous le connaissez tous, c'est le père de la nation indienne. Et lui, c'est quelqu'un qui a été ici en Afrique pendant pratiquement 22 ans, 23 ans même, en Afrique du Sud. Voilà, il a été envoyé en Afrique du Sud comme avocat, mais une fois en Afrique du Sud, vu aussi la situation des Indiens, voilà, qui était trop précaire à l'époque, voilà, aussitôt, il a jeté la robe d'avocat pour maintenant lutter pour la libération de ces Indiens, dont il est devenu célèbre. Et voilà donc, et il n'a pas arrêté cette lutte juste ici en Afrique. Il a continué cette lutte jusqu'en Inde, d'où il est devenu aujourd'hui le père de la nation indienne même. Voilà, donc cette exposition que vous voyez là, c'est juste une exposition qui est temporaire ici. Voilà, l'ambassade de l'Inde qui a voulu célébrer l'anniversaire de Mahatma Gandhi, voilà, ici même au Sénégal, mais vu aussi les locaux de l'ambassade ne pouvaient pas accueillir cette exposition, raison pour laquelle, en collaboration avec l'administrateur du monument de la Renaissance africaine, le monument a accueilli cette exposition que vous voyez là. Et voilà, donc si vous voulez, on peut faire un petit tour, mais sinon, voilà, je peux vous laisser.